Bonsoir et bienvenue sur Total Sport Caraïbes. Merci d'être avec nous pour cette rencontre de la 22e journée de la régionale. Vito, nous sommes très contents de rentrer chez vous pour vous apporter cette rencontre. Cette rencontre grâce à notre ami Judenson Exaïs. Voilà, merci, vraiment merci d'être avec nous pour cette rencontre. Judenson Exaïs vous apporte les images, assisté de John Obi et puis Joly Jérôme. Commentaire. Très rapidement, voici la composition des deux équipes pour le CS, pour la solidarité scolaire. C'est Marvin Calvados dans les buts, Nuro Fabien en défense accompagné de Lucent et La Rochelle. Joël Mormand, Jason Angol, Yaron Atlan, Cancel, Christopher, Raphaël Mival, Livio Damasagis pour l'USBM, Johan Amboisine, Nicolas Samy, Samuel Simplon, Daniel Gaboton, Laurie Demia, Joao Théophile, Dimitri Bolivar, Boséus Ménélique, Josserane Douglas et Luciani Picactus. Alors ce match va être arbitré par Alan Mangouré, assisté de Falbert et Al-Kabila. Et puis bien sûr, Joly Jérôme au commentaire. Merci d'être toujours avec nous sur Total Sport Caraïbes pour les différentes rencontres. Mesdames et messieurs, donc ce soir c'est le début de cette 22e journée où la solidarité scolaire en très grande difficulté reçoit l'USBM pour un match capital dans la course au maintien cette saison. Comme remplaçant pour l'USBM, il y a Bias, Ruji, Fautra, Vuto, Alexandre, Eugène. Et pour cette formation de la solidarité scolaire, Afarel Aymeric, Plaideur, Loïc, Petitfort, Chanel et Nuro Fritzo. Voilà. L'USBM entraîné par Thierry Antonin et la solidarité scolaire par Fabrice Otto. Raphaël Mival face à son ancien club. Et ce soir, c'est donc lui qui est le capitaine de cette formation de la solidarité scolaire. Le décor est bien planté. La solidarité sur les qui va jouer en blanc. Alors que l'USBM va jouer en bleu. La couleur traditionnelle de cette formation de l'USBM. Merci de partager. Merci de vous abonner avec nous. C'est important de partager le direct pour permettre à beaucoup plus de gens. L'USBM en très grande on va pas dire en très grande forme, mais en forme depuis quelques matchs. Et c'est l'occasion pour les poulains de Thierry Antonin de continuer sur cette lancée. Voilà, c'est parti pour cette rencontre de la 22e journée de la régionale. De la régionale Invito. Donc il faut dire Mormand Jourel, c'est lui qui joue comme défenseur gauche d'entrée de jeu. Donc beaucoup d'absents. Attention à ces ballons en retrait. C'est Tini France qui va dégager. Deuxième ballon avec Laurie Demeya.
Et la balle est donc pour cette formation de l'USBM dans ce match. On joue les premières secondes dans ce match. Attention, il va falloir surveiller les déplacements de Raphaël Mirval ce soir, qui a à cœur de marquer contre son ancien club. La passe en profondeur de Laurie Demea. La déviation de la poitrine de Josserine Douglas. Ce ballon dégagé et récupéré par la solidarité scolaire avec une passe de Morman Joël. Le ballon est allé en touche pour les Blancs de la solidarité scolaire dans ce match de la 22e journée de la régionale 1 Vito. Yaron Atlan pour faire la différence et trouver La Rochelle. Steven, mauvaise passe de Steven La Rochelle qui met le ballon directement en touche. Alors vous êtes sur Total Sport Caraïbes et vous suivez ce match grâce à ces images assignées Julien Sandexaïs. Il est assisté de John Obi et votre serviteur Joli Jérôme. Attention à ce ballon dégagé par la défense. Mais ce ballon sauvé par Raphaël Mival qui peut faire la différence. Attention Raphaël Mival qui met le ballon à côté. On va revoir cette passe un peu risquée de Yohan Amboisine. Ah, ça, c'est pas assez appuyé cette passe en dehors. Yohan Amboisine, mais derrière, il fallait cette intervention de Cetini France pour mettre ce ballon. La touche derrière, c'est à l'USBM qui va repartir avec un ballon sur Daniel Gaboton. Yohan Amboisine dans l'accent de la défense accompagné de Nicolas Samé. Samé. La passe de Nicolas Samé sur Luciane Pécactus et qui est très en forme depuis quelques matchs. Samé, Laurie Demea, Pécactus en retrait. Attention à cet appel sur le côté gauche de Daniel Gaboton qui n'a pas pu jouer ce ballon. Et derrière, c'est le numéro 2. Lui sort. Qui joue au milieu de terrain, Livio Damasagis. Il a été repris par un joueur de l'USBM. Raphaël Mirval a été descendu. Il y a faute de Samuel Simplon sur Raphaël Mirval. Et ce coup franc à venir pour cette formation de la solidarité scolaire dans ce match, en comptant pour la 22e journée. Demain, pas mal de matchs à l'affiche avec le CSM qui traînera ses bottes sur la pelouse du Sporting Club. Attention à ce coup franc, Raphaël Mival. Et qui met le ballon contré dans les murs. Livio Damasagis pour le deuxième ballon. Et finalement, l'USBM parvient à dégager. Ici, très bien fait. Dimitri Bolivar pour lancer en profondeur Josserine Douglas. Mais très bonne intervention de Fabien Jérôme pour concéder la touche. Le Sporting qui reçoit le CSM demain ici à 15h30. Alors que le Sirocco attend l'amical club de Marie-Galante. Attention à ces ballons. Il y a faute. Il y a faute. Ah, c'était musclé ce tacle de Loïc Niro. Ah, c'était musclé ce tacle. On va revoir cette action. Ah, il était en retard. Ah, il était en retard. Même si derrière, il a touché le ballon, mais il a pris le ballon et l'homme. Donc il a joué le ballon et l'homme. Il a joué l'homme après le ballon. Boséus Menelik
qui est resté au sol. Ouais, il a joué l'homme, puis ballon. Et ça donne un coup franc à cette formation de l'USBM. Alors que Boseus Menelik est donc toujours au sol. À suivre demain à 20h sur Total Sport Caraïbes. Le match en Sirocco, l'amical club de Marie-Galante. Et dimanche, Les Gosiers qui attend depuis FM cette équipe par deux phares de Petit Canal. Notons également le déplacement de la Gauloise sur le terrain de l'US Cambrai-Fort. Jeunesse Evolution affrontera Les Dynamo. Joueur au Théophile pour beauté à ce coup franc lorsque la sixième minute de jeu bouclée depuis 40 secondes ici à Bemaro. Joueur au Théophile pour mettre le ballon en retrait sur Samuel Seplon pour une frappe à ras de sol détournée. Attention, il y a au jeu. Il y avait au jeu parce que Daniel Gaboton était en position illicite. Daniel Gaboto était en position illicite. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux peut-être à faire sur ce beau coup franc excentré? Et quand on sait la qualité des terrains ici, cancel, mauvais contrôle. Loïc Nuro pour dégager, lui aussi. C'est un ancien joueur de l'USBM. Le contrôle parfait de Raphaël Mival pour jouer sur Yaron Atlan. Jérôme Fabien assure Maman Jourel qui se rabat vers l'axe. Échange de ballon de côté et l'USBM récupère. Laurie Demia sur Nicolas Samé. Samé qui a fait la première partie de saison avec l'Amica Club de Marie-Galante. Mais depuis le retour de Thierry Antonin aux affaires, il retourne à l'USBM. Raphaël Mival, attention, qui va boucler à ce grand pont. Raphaël Mival, de la tête, attention, et puis fait la différence. Raphaël Mival, il a été retenu, il a été séché de façon irrégulière. Voilà, un coup franc à venir pour cette formation de la solidarité scolaire. Je profite pour saluer les amis qui sont avec nous pour suivre ce derby. 0 but partout, le score de départ qui persiste dans ce match. Et ce coup franc à venir, c'est Yaron Atlan pour beauté ce ballon dans la boîte. Il y a trois joueurs de la solidarité scolaire. Yaron Atlan qui met le ballon directement et ce ballon qui est passé au-dessus. Début gardé par Cetini France. Le ballon qui est passé légèrement au-dessus. Début gardé par Cetini France, le portier de cette formation de l'USBM. Bonsoir à nos amis qui sont également sur YouTube. Ce ballon, on a dégagé la tête de Jérôme Fabien. Deuxième ballon, retrait. Jason Angol. Yaron Atlan, déviation de la poitrine. Mais très bonne lecture de Nicolas Samé. Grosse bataille pour la possession du ballon. C'est la solidarité scolaire qui récupère avec ce coup franc. Bénéficié par Yaron Atlan. Même central qui demande. Parce que. Ah.
Est-ce que le ballon sera placé exactement où la faute a été commise? Raphaël Méval, Sidiaron Atlan, ballon récupéré très vite par la solidarité scolaire avec Loïc Nuro, Livio Damasagis, Joao Théophile, la passe de Théophile, très bonne lecture, Jérôme Fabien. Il n'y a pas pour l'OTAN. L'USB est reprend avec Joao Théophile qui appuie sur le Ridemea. Théophile à nouveau. Joao Théophile qui résiste à cet tacle de Yaron Atla. Attention, le Tchani Pekaktis. Il y a faute, non? L'avantage a été laissé. Le Tchani Pekaktis qui est très en forme. Ce jeune joueur de l'USBM Bolivar pour essayer de faire la différence. Pekaktis qui a manqué son centre. Récupéré par Gaboto. Attention, l'autre chien. Pekaktis pour une première frappe contrée. Pekaktis qui va bénéficier d'un corner. Ah, le ballon qui est allé en corner. Corner à venir pour l'USBM. À 12e minute, temps de jeu bouclé dans ce match. Le corner à venir pour cette formation de l'USBM. Pour beauté, c'est Lori Demia qui met le ballon dans la boîte. Attention, premier poteau Bolivar et deuxième ballon pour l'USBM avec Bolivar. La passe de Bolivar, il s'est très bien fait avec cette frappe à venir de Simplon. Ouais, pour le moment, l'USBM qui maîtrise légèrement le ballon, même si pour le moment ils n'ont pas réussi à mettre en difficulté cette équipe de la solidarité scolaire, mais pas sur ce ballon profondeur sur Josiran Douglas. Une très bonne lecture de Marvin Calvados pour jouer ce ballon. Raphaël Mirval, chassé par Yoran Amboisine pour dégager. Nicolas Samé pour l'USBM. Samé, la passe de Samé en profondeur. Directement pour le gardien de la solidarité scolaire qui relance Nuro. C'est en Luis Crisilio. Et Nuro à nouveau. Jérôme Fabien. Fabien qui cherche la profondeur. Directement sur la poitrine de Gaboton, Daniel Bolivar qui repasse à part Daniel Gaboton. La 15e minute en de jeu bientôt. Josiran Douglas. Il y a faute de Jérôme Fabien sur Josiran Douglas. Josiran qui va se relever. Demain, amical en déplacement sur le terrain de du Sirocco des Abîmes. Déplacement compliqué pour l'amical qui est en grande difficulté. Au classement, attention à ces ballons et c'est bien fait. La possibilité de centre à l'entrée de la surface de réparation. Le dégagement de la défense. Et derrière, c'est l'USBM qui reprend la possession du ballon. Attention à ces centres. Arrête sol contré. Deuxième ballon pour les Bleus de l'USBM qui met la pression devant le but de Marvin Calvados.
Attention, José Randoglas qui essaie de passer dans la défense. Un dégagement de Steven Larochelle. Yaron Atlan pour José Ballon retrait. Morman Jorel, la passe et c'est bien fait derrière. Un très bon tacle. Du côté de l'USVM, Lucian Ibekactus. Dimitri Bolivar assure Bozis Menelik chassé par Loïc Nuro. Nuro qui a été descendu au milieu des deux joueurs. On va voir. Effectivement, il y avait faute. Là, c'est pour le moment les duels Nuro et Bozis. C'est pas trop mal. Agneau pour José Ballon. Le solide défenseur de la solidarité scolaire. La Rochelle, Steven. Qui trouve le bon décalage, c'est très bien fait avec cette passe. Attention, Yaron Atlan qui peut faire la différence. La frappe de Yaron Atlan captée par le gardien. Et là, c'était une occasion pour cette équipe de la solidarité scolaire. Mais cette frappe était trop faible de Yaron Atlan. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? A glissé le ballon dans l'intervalle pour Méoval. Derrière cette frappe, pas assez puissante pour inquiéter Saint-Denis France. Bolivar, Théophile. Bolivar, le meilleur buteur de cette formation de l'USBM en championnat. De contrôle de la poitrine de Gaboton Daniel. Était mauvais. Début pour Bolivar Dimitri. 13 buts pour Vika Châtillier. Et 19 pour Grégory Gendry. 13 également pour l'attaquant de cette formation de l'US Cambrai-Fort. Fortuné et Kenny. 12 buts pour Ricardo Philibert de l'AS Gosier. Sébastien Manigeant. 11 buts. Du Sirocco des Abîmes. Marmain Jorel pour essayer de passer. Marmain Jorel qui va bénéficier d'une touche. Alors pour la SS, c'est Calvados dans les buts. La Rochelle, Niro, Fabien, Luce, Morman Jorel, Jason Angol, Yaron Atlan, Mival, Raphaël, Livio Damasagis, Cancel, Christopher. Pour l'USBM, c'est Franz Saint-Denis, Amboisine, Yuan, Nicolas Samy, Simplon Samuel, Daniel Gaboton, Joao Théophile, Bolivar, Demia, Picactus, Douglas et Menelik. Voilà pour la compo. Cachelet Fraisier qui suit ce match avec nous sur YouTube. Ce ballon récupéré avec Bozis Menelik et qui appuie sur. Attention, il s'est bien fait. Josiran Douglas défensé par Jason Angol. Très bon retour. Livio Damasagis peut faire la différence sur ce ballon. Livio Damasagis qui est passé. Attention, il est rentré dans la surface de réparation. Livio Damasagis pour jouer ce ballon retrait sur Yaron Atlan. Le crochet de Yaron Atlan. Yaron Atlan, Livio Damasagis. Et cette frappe de Livio Damasagis qui est contré, sorti en corner. Ah, le SBM qui a eu chaud sur cette action. Yaron Atlan, je pense que ce crochet n'était pas trop important. Parce que ça revient au même pour tourner sur le côté gauche. Alors qu'il y avait deux appels, dont Raphaël Mival qui était là. Corner à venir pour la solidarité scolaire. Yaron Atlan pour
mettre le ballon dans la boîte de l'USBM. Yaron Atlan pour chercher la tête de Raphaël Mival. Ce ballon est capté par Saint-Denis France pour relancer très vite ce joueur au Théophile. Joseran Douglas, chassé par Jérôme Fabien. Il a encore la possession du ballon. Douglas à Théophile. Jean Théophile. Mauvaise passe. Livio Damasagis, Raphaël Mival. Il y a faute à ce Raphaël Mival. Et ce ballon vite joué. À Luis Crisilio. Cancel à Christopher. Qui repasse à part le jeune Crisilio. Cancel. Un touche pour la solidarité scolaire. La 22e minute en jeu bientôt bouclé dans ce match de la 22e journée de la régionale Invito. Ouais, Joseran Douglas est de retour depuis Fast Cambry Fort. Il était là. Ah, la patrie est donc en danger. Ils font appel à Joseran Douglas pour sauver la patrie. Ah ouais, beaucoup d'absents. Et Ronatlan, en ballon perdu, récupéré par Brosius Menelik sur Bolivar, qui perd le ballon, récupéré par Dizon Ngol. Déviation de l'Ivio Damasagis sur Moment Jorel, qui va se rabattre vers l'axe et trouver son compère en défense. Aloy Cagnuro. C'est bien fait. Raphaël Mival qui fait la différence. La touche à deux. On a concédé par Gaboton Daniel. Bolivar qui perd ce ballon, récupéré à part Bolivar qui essaie de passer, mais il y a faute. Il y a faute, attention, le jeune Luis Crisilio. Jérôme Fabien, c'est bien fait sur Livio Damasagis qui n'est pas signalé en position de rejet. Livio Damasagis qui est passé. Attention, Livio Damasagis, le centre intervention. Ce ballon dégagé en corner. Il va falloir à surveiller les espaces parce que. Heureusement, il y avait l'intervention de Yohan Amboisine. Le dégagement, le ballon est allé en corner. Suivant l'indication de Falver, le premier assistant de ce match. Falver, le premier assistant. Alka Bilar, le deuxième. Attention à ce ballon qui va dégager. Joseran Douglas, la remise parfaite. Attention. Attention à ce ballon. Ça peut aller vite. Mais très bonne intervention de Jérôme Fabien. Il y avait faute de Joseran Douglas. Allez, la remise de Joseran Douglas était parfaite. Il y avait un très bon appel de Bozius Menelik. Fabien, Jérôme.
Marvin Calvados, qui trouve un partenaire à défense. C'était Jérôme Fabien. Attention, Maman Joël, qui va bénéficier d'une touche pour cette formation de la solidarité scolaire. Zéro but partout dans ce match. 25e minute, temps de jeu bouclé. Bientôt la 26e. Raphaël Mirval qui fait la différence. Attention, Raphaël Mirval. La frappe de Raphaël Mirval est captée par le gardien de l'USBM, à savoir Saint-Denis-France. Joueur au théophile pour faire la différence et trouver un partenaire sur le côté droit. La passe de Samuel Simplon a été contrée. Et c'est Joao Théophile qui reprend le contrôle des opérations avec ce ballon sur Picactus Luciani. Ils ne se sont pas bien compris. Et la solidarité scolaire va repartir. Raphaël Mival, le contrôle, et c'est bien fait. Raphaël Mival qui va provoquer. Raphaël Mival qui essaie de passer, mais c'était compliqué avec la présence de deux défenseurs de l'USBM. Attention à ce ballon. Il y a faute de Boséus Menelik sur Crisilio Alus. Il est revenu pour mettre un peu d'ordre. Au fil en retrait, Samy Bolivar, et c'est bien fait sur Simplon Samuel. Joueur au théophile, Bolivar, Nicolas Samy Bolivar. Assure un Simplon. Voilà, pour le moment, c'est un peu compliqué de trouver le bon décalage du côté de l'USB. Mais attention, ce ballon dévié de la tête à Bolivar pour jouer ce ballon. Luciani Picactus en retrait. C'est un joueur au Théophile. À Théophile, le crochet dit Théophile, bouché chez l'angle de tir. Et c'était magnifiquement bien fait. Cette frappe du meneur de jeu de cette formation de l'USBM, contrée. On va voir cette action, le crochet. Allez, pour enchaîner très vite. Heureusement, il y avait cette intervention de la tête, tant de Jérôme Fabien pour concéder le corner. Et bientôt, demi-heure de jeu dans ce match. Le score de départ qui persiste entre les deux formations. Attention à ce ballon dans la boîte qui est là. C'est Loïc Nuro qui parvient à dégager. Et c'est bien fait. Yaron Atlan à Nicolas Samé qui s'interpose en patron pour faire la différence. Laurie Demeya. La passe de Laurie Demeya. Il s'est bien fait. Attention, Bozius. Melik va-t-il pouvoir centrer? Mais il a son pied gauche tout simplement. Je ne sais pas ce qu'il fait avec son pied gauche, Bozius. Attention à ce contrôle du Total Régal, ce contrôle de notre ami Livio Damasagis qui va perdre ses ballons récupérés. Attention, ça peut aller très vite. Josserane Douglas, attention, mais très bon retour, très 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 bon retour de Livio Damasagis qui s'est racheté après cette perte de balle. On va aller voir
Oups, ce contrôle là de Livio Damasagis. C'était propre. Attention, cette remise de la cuisse en de Douglas. Et derrière. Hop, 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 hop. Attention, l'avantage a été laissé. L'avantage a été laissé, mais. Ah, Miva, il est au sol. Attention à ce ballon avec Yaron Atlan. Ils sont deux au milieu. Au milieu des six défenseurs de l'USBM. Yaron Atlan. Ah, il faut mettre le ballon. Ah, parce que Raphaël Miva, là, il s'est fait mal. Ah, il me semble que c'est Yohan Amboisine qui était très, très, très en retard. Ah, il était très, très, très en retard, Yohan Amboisine. On va revoir. Ah, ouais, c'est. Ouh, ça fait mal. Ça mérite un carton. Ouais, ça mérite un carton. Logique. Logique. Ah, mais Val, oui, il est très en retard, oui, c'est logique. Même si je pense que Loïc Nuro méritait aussi un carton jaune sur. Ouais, même si je pense que Nuro méritait aussi un carton jaune pour sa faute. Sur Ménélique, parce que lui aussi, il était très en retard. Val qui se relève. Je sais pas, Douglas qui est en train de changer. Bonsoir. Steven Raban. Albert Anatole. Sébastien Gitras, qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison. Hop, attention à ce ballon. Et c'est bien fait, l'USBM qui va essayer de ressortir. Ah, mauvaise passe. Parce que c'était tellement facile. Yaron Atlan, temporisé. Jitra s'est blessé à l'entraînement, donc c'est pourquoi il est absent. Ah, cette saison, c'est pas facile pour Jitra. C'est au moins deux ou trois blessures. Attention, ce petit pont validé. Ce petit pont validé par. Ah, ici Bolivar qui a validé ce petit pont sur Loïc Nuro. Attention à ces ballons. Picactus qui met le ballon dans la boîte. Intervention de la tête. Attention, deuxième balle avec Gaboton Daniel. Chassé par deux joueurs. La frappe de Picactus. Et ce ballon a détourné. Ce ballon détourné. Et par le portier Marvin Calvados. Et cette frappe de Picactus. On va revoir. Luciani Picactus. Ah oui. Un équilibre pour mettre en difficulté cette équipe de la solidarité scolaire. Mais voilà, Marvin Calvados était obligé de se détendre de tout son long pour aller chercher ce ballon. Et c'est bien fait dans l'intervalle. Attention, c'était talonnade, mais derrière la solidarité scolaire qui parvient à dégager le ballon. Et l'USBM qui met la pression dans le propre moitié de terrain de cette formation. Attention, Bozis Ménélique qui fait la différence. Bozis Ménélique! Et sa frappe qui est passée au-dessus. Et
Et cette frappe de Brosius sans Ménélic qui est passé au-dessus. Intervention de la tête. Il y a faute. Voilà. Je cherche le petit pont pour vous. Et voilà, c'est ici. Voilà, c'était validé. À Sir Loïc Niro. Ah, c'est de toute façon, vous manquez. Vous avez tout. Normand Jorel qui est contraint de jouer au retrait. Assure son portier. Marvin Calvados. Loïc Agnuro. Qui voit l'appel de Raphaël Meval. Mais directement sur la tête de Johan Amboisine. Dégagement. Ah, le contrôle de Bozius. Le contrôle de Bozius pour humilier le ballon. Joueur au Théophile. La Théophile. Un mauvais passe des joueurs Théophile. Et derrière, c'est Cancel qui va perdre ses ballons de son côté. Le Tchanebe Cactus. Bolivar. Daniel Gaboton. Intervention au milieu de terrain. Les dégagements de la défense. Et derrière, ça peut aller vite. Attention, attention, c'est une France. C'est une France, vous allez où c'est une. Oh, c'est ballon dégagé, il n'y a pas de faute. Ah, l'USBM qui a eu chaud et c'est une France. Et c'est ballon perdu, c'est ballon perdu. Attention, la passe de Yaron Atlan. Et c'est ballon dégagé, Raphaël Mival qui est au sol. L'USBM qui prend quelques risques. Mais pour le moment, sans conséquence. Joueur au Théophile qui cherche un peu trop la difficulté. Ah, il y a faute. Il y a faute. Bien sûr, Niro. Alors, on va revoir ce contrôle de Brosius Vignelli pour humilier le ballon. Demain, 20h, le Sirocco contre l'Amical Club de Marie-Galante. Attention à ces ballons. Attention à ces ballons parce que Raphaël Mival. Mais. Ah, pas ces grands pour valider. Raphaël Mival. Raphaël Mival. Mais ce ballon dégagé. Ah, ce ballon dégagé. On va revoir cette action de Raphaël Mival. Voilà. Une poussette. Voilà. Grand pont sur Johan Amboisine validé. Et derrière, il fallait cette intervention de Samuel Simplon. Et 40e minute en de jeu bientôt dans ce match. 0 but partout entre les deux formations. Et c'est un corner à venir pour la solidarité scolaire. Allez, la solidarité scolaire avait gagné l'USBM. Yaron Atlan pour jouer ce corner. Yaron Atlan qui met les ballons dans la boîte. Attention à ce coup de tête de
C'est tout le temps de Raphaël Nuval. Et capté par Cetini France, Mohamed Joël de la tête. Joël, attention, Mohamed Joël, il faut pas perdre ses ballons. Le dégagement. Yaron Atlan. Luce, il y a faute. Il y a faute sur Priscilio Luce. Luce qui est resté au sol. C'est Liolus qui est resté au sol. Sur ce ballon rencontré. De la tête, deuxième ballon pour cette formation de l'USB avec Samuel Simplon. Simplon qui va bénéficier d'une touche. Non, c'est pour la solidarité scolaire. La touche est donc pour la solidarité scolaire avec Joël. Mormant, intervention de la tête. Deuxième balle pour l'USBM avec Dimitri Bolivar qui trouve un partenaire. C'est bien sûr Laurie Demea. Bolivar. Bolivar pour faire la différence. Attention Bolivar. La frappe de Bolivar. Attention au second poteau. Et c'était bien sûr Gaboto Daniel. C'est tacle de Daniel Gaboto. Cette fois-ci, il l'a récupéré. Il y a faute. Il y a faute de Daniel Gaboton. Je ne pense pas qu'il mérite les cartons sur cet acclamé. Sur le premier, oui. Mais là, il a joué le ballon. Franchement, le deuxième, moi, je ne vois pas l'utilité de ces cartons. S'il avait mis un carton pour le premier tacle. Bon, après, peut-être qu'il a laissé l'avantage. Mais Gaboto aussi, il n'est pas... il ne se calme pas parce qu'il sort des tacles manqués après. Voilà, on est à la 45e minute de jeu. Et ce ballon perdu, attention, Josserine Douglas, sur Dimitri Bolivar. Dimitri Bolivar qui attend une solution et c'est Bozivis Benedict qui s'est proposé sur le côté gauche. Bozivis qui est en face de lui, le jeune numéro 2, il s'agit bien sûr de lui, c'est derrière ce ballon, attention la déviation, c'est bien fait. L'USBM va mettre le ballon dans la boîte, mais c'est contré. Deuxième ballon pour les Bleus de l'USBM, Bolivar.
Le dégagement, deuxième ballon pour l'USVM. La possibilité du centre. Daniel Gaboton, le centre de Gaboton était mauvais. Le ballon va sortir en corner. Ah, le ballon va sortir en corner. À ce match, je pense qu'il va finir par un rouge parce que s'il y a toujours de. Ah, et le corner à venir pour l'USBM. On a joué à deux. Attention, attention, c'est centre. Intervention de la tête. Apicactus pour récupérer le ballon au second poteau. Apicactus qui va jouer en retrait. Attention, le centre. Hop, hop, hop. Et attention. Voilà, c'est la victoire sur. Ah, sur ce score. Ah, c'est la victoire sur ce score. De 0 but partout entre les deux formations, mesdames et messieurs. Donc, on va tout simplement observer une pause, le temps de vous retrouver tout à l'heure pour la deuxième période de ce match. À tout à l'heure, je vous donne rendez-vous dans 15 minutes.
De retour pour la deuxième période de ce match où la solidarité scolaire et l'USVM sont à égalité au tableau d'affichage. Zéro but partout, donc un match dans l'ensemble équilibré. Équilibré parce que tout simplement les deux équipes, même si dans l'utilisation du ballon, l'USBM avait légèrement donc même si l'USBM avait légèrement, vraiment légèrement la possession du ballon, mais voilà. Pour le moment, le gardien de Villa SS a fait deux très bons arrêts et voilà, Saint-Igny a sorti deux coups de tête de Raphaël Mival. Pour le moment, c'est un match équilibré. Voilà, reprise de la deuxième période dans quelques instants. Avec l'USBM, bien sûr, qui va démarrer cette deuxième période. Josiran Douglas, vous êtes sur Total Sport Caraïbes. Merci de vous abonner avec nous sur nos différentes plateformes à Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Abonnez-vous également avec nous sur le www.total-sport.fr pour ne rien manquer de toute l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, voilà, c'est parti pour cette deuxième période entre les deux formations, mesdames et messieurs. Avec Nicolas Nassami qui trouve Ménélik Bozis. Un mauvais passe de Dimitri Bolivar. Les vieux Damas Sagis qui a voulu jouer très vite sur Mirval. Mais sa passe était trop profonde. Le ballon qui est allé directement sur le gardien Saint-Igny France. Et Jean Théophile sur Josiran Douglas de la poitrine. Josiran qui a encore ce ballon. Josiran qui tourne sur lui-même et trouve un appui au milieu de terrain. Attention à ce ballon. C'est bien fait sur le côté droit avec la possibilité de centre. Le dégagement de la touche à ce centre signé Samuel Simplon. Ce ballon a été dégagé par Jérôme Fabien. Attention à ce centre à contrer. Il joue latéral gauche, je dis. Pourquoi c'est douteux? Il joue latéral gauche. C'est vrai, il est pas trop à l'aise, mais ça arrive. Hein. À Bolivar en retrait sur Samuel Seplon qui essaie de bénéficier de corner. Attention à ce ballon entré, Luciani Pécatus. Derrière, ce ballon a été dégagé par la défense de cette formation de la solidarité scolaire. Attention à ce ballon. Ah là là, cette frappe de Brosius Ménélik. Ah, il s'est précipité. Ouais, je pense que c'est compliqué pour Bozius à frapper avec son pied gauche. On l'avait vu tout à l'heure. Ah, le dégagement. Le
Intervention de la tête, Ambrosius Menelik, car sur Joao Théophile, et qui trouve. Là, c'est Laurie Demia. Un très bon retour de Yaron Atlan. Priscilio Lys. Loïc Agnuro. Il y a faute de Josserane Douglas sur Loïc Agnuro. Ah ouais, je pense qu'il s'est fait mal un peu. Ah, il se relève. Costaud. Défenseur. Attention à ces ballons. Et capté en deux temps, donc il n'y avait pas faute. Sur Louis Nuro. Et je vois ma faille maquée contre son camp. Le dégagement. Tijon Agol. Sur Luis Crisilio. Et Tijon. La balle en contre. Sorti en touche pour la solidarité scolaire. Effectivement, c'est un match important pour les deux équipes. Un match crucial pour les deux équipes dans la course au maintien. Le problème pour cette équipe de la SS, c'est qu'ils n'arrivent pas à mobiliser tout le monde. Donc, il y a des blessés, il y a des absents. Donc, c'est forcément compliqué. La déviation, Bozius en Menelik pour jouer sur Josserane Douglas, dévancé par Loïc Agnuro, à Luis Crisilio, la passe de Luis, mais très bon placement de Daniel Gaboton, qui appuie sur Joao Théophile. Attention à ces ballons, Josserane Douglas, la passe de Josserane Douglas, il y a en jeu. Suivant l'indication de l'arbitre, c'est ce qu'on va voir. Alors là, je pense qu'il a peut-être raison, l'arbitre. On va revenir dans ce match. La SS qui a eu chaud sur cette action. La mauvaise passe de Jérôme. L'USBM qui met la pression dans ce début de deuxième période. 50e minute en jeu. Bientôt 51e. Attention à cette passe. Dimitri Bolivar sur Laurie Demeya. Joao Théophile. Théophile sur Josserane Douglas. Attention à cette frappe de Josserane Douglas qui est passé au-dessus. On va revoir peut-être cette action. Jusqu'à présent, il n'y a pas au jeu. Là non plus. Là, je pense que c'est là. C'est limite. Hein? C'est limite, mais franchement, c'est limite. Je ne sais pas ce que vous pensez. Mais c'est très limite parce que. Jusqu'à là, il n'y a pas au jeu. Donc, c'est Picactus qui a été signalé en position de rejeu. Franchement, je pense pas. Hein. Franchement, il faudrait faire un point au moment de la passe. Mais après, c'est très limite. Limite, franchement, je fais confiance à l'arbitre assistant, mais c'est très très limite.
à revenir dans le match en Bolivar qui a fait la différence. La défense par Mormand Jorel. Mormand à retrait assure 10 ans, un goal. Et qui trouve Luis Crisilio qui a manqué son contrôle. Le ballon est allé en touchant vite joué par l'USBM qui met un peu plus de rythme en ce début de deuxième période. João Théophile, Laurie Demeya, Yohan Aboisine. La passe de Yohan, mauvaise passe de Yohan Aboisine. Et là, il doit faire mieux parce qu'il est seul. Raphaël Meval, Livio Damasagis pour trouver Cancel. Mais derrière, c'est l'USBM qui récupère ce ballon. Bolivar en retrait, Yohan Aboisine. João Théophile. Un Théophile qui a de l'espace. Il trouve Gaboto Daniel de l'autre côté. Laurie Demeya. Demeya. La passe de Demeya. Il n'y a pas au jeu cette fois-ci. Attention à ce centre de Simplon au second poteau. Ah, c'est mal ajusté. Mais la position est donc toujours bleu. Attention à ce centre de. Et Gaboton, intervention de La Rochelle Steven. João Théophile. Dimitri Bolivar. La Bolivar pour mettre les ballons dans la boîte. Attention à ces ballons. Josseran Douglas. Non. Oh, c'était pas le jeu, mais l'USB a encore le ballon. Et la solidarité scolaire qui est en train de souffrir. Bolivar qui sollicite le ballon. La passe de Bolivar sur le côté droit avec Simplon qui est trop court. Le ballon est sorti. On va revoir cette action où Josseran Douglas pouvait mieux faire. Ah, il s'est glissé le ballon pour Bozis. Oui, c'est ça. Ah, Bozis est passé. Il fallait appuyer sur Bozis Menelik. Bolivar. La passe de Bolivar, mais Picaxis n'a pas suivi. Et la solidarité scolaire va opérer un changement. Raphaël Mival, déviation de la poitrine sur Yaron Atlan, qui va jouer dans l'intervalle. Attention, Yohan Aboisine, qui ne devait pas se manquer. Chose faite. La rentrée du numéro 8, petit phare. Chanel à la place du numéro 10. Livio Damasagis. Ouais. Alors, on m'a dit Bolivar. Bolivar touche le ballon. Alors, je vais voir ça. Ah là, c'est Bolivar qui fait la passe. Ah non, c'est sur le hors-jeu. Bon, je vais revenir sur le hors-jeu. Ah ok, bon, peut-être que j'avais pas vu ça, je vais regarder. Attention à ces ballons, Et le gardien qui sort, et c'est bien fait. Et il y avait un jeu. Ah, Koufou indirect, eh bien, ça va être rouge. Attention, je vais revoir. Comme sur Total Sport, vous manquez... Mais non, son pied gauche est sur la ligne. Mais non. Avertissement pour Yaron Atlan. Attends, je vais revoir ça. Je vais remettre l'action pour vous. Regardez bien. Là, il sort. Ah, son pied gauche est sur la ligne. Voilà. Ah, son pied gauche est sur la ligne. Oui, son pied gauche est sur la ligne. Je ne sais pas ce que vous pensez. Ah, son pied gauche est sur la ligne. Alors, regardez l'action. Regardez son pied gauche. Son pied gauche est même à l'intérieur. Franchement, c'est. C'était coup franc indirect.
Mais ça devait être carton rouge. Après, je comprends pas, mais bon. En tout cas, sur les images là, je vois pas du tout qu'il était à l'extérieur parce que son pied gauche était. Voilà, ça donne un très très bon coup franc à cette équipe de l'USBM. Même si c'est un coup franc indirect, mais. Ah non. Ah, c'était pas un coup franc indirect alors, il y avait faute. Ouais. Ah, c'est... il y avait faute. Je comprends rien. Franchement, je comprends rien du tout dans cette décision. Peut-être qu'il y avait faute. Attention, ce ballon récupéré par l'USBM qui met la pression avec Laurie Demeya. Bozéus Menelik, Laurie Demeya. À un certain moment, il va falloir qu'il prenne la décision pour frapper au but parce que là, c'est trop mal. Attention, Raphaël Mival. Mais très bon retour de la défense. Je comprends pas, peut-être qu'il y avait faute, mais si c'est pour le ballon où son pied gauche était à l'intérieur, donc à partir du moment où il a un pied à l'intérieur de la surface, il n'y a pas de problème. Bozéus Samenelik assure Bolivar qui a cet appel là sur le côté droit avec Samuel Simplon. Là, il faut faire un bon centre. Le centre de Samuel Simplon, très bonne sortie de Marvin Calvados. Et ce ballon avec Petit Phare, le contrôle de Yaron Atlan pour temporiser. Il y a faute sur Yaron Atlan. Honnêtement, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui a été sifflé là parce que je comprends rien du tout dans la. Je comprends rien du tout. À tout chapeau à cette formation de l'USBM. À zéro but partout dans ce match. À l'heure de jeu bouclée ici. Au stade Fiasque Duchesne à Bémaro. À demain. C'est au Total Sport Caraïbes Sirocco contre l'Amica Club des Marie Galante. Et dimanche, Les Gauzés contre le Fort de Petit Canal. C'est attention à ce ballon. Il ne faut pas se manquer. Il ne faut pas se manquer sur ce ballon. Dimitri Bolivar qui a fait la différence. Bolivar qui trouve à Simplon ou encore Gaboton Daniel sur l'autre côté. Laurie Demeya, Bolivar. Laurie Demeya, Demeya qui est passé, attention, Laurie Demeya, non. À un certain moment, il va falloir tirer au but parce que non. Il tripote trop le ballon. Attention à ces ballons en profondeur, Raphaël Mival. À cette année, France, il met le ballon en touche. Directement, il y a un joueur de cette formation de la solidarité scolaire qui est au sol. Calvados fait son travail. Hein. Il me semble que c'est Loïc Nuro qui est au sol. J'espère que c'est pas grave pour lui, il va se relever. Loïc Nuro. Ouais. Faire un peu les dents pour vous voir continuer pour cette équipe de la solidarité scolaire. Ah, Daniel Gaboton qui a encore ses ballons. Daniel Gaboton. Et Gaboton. Gaboton sur Simplon. La passe de Simplon. Josserane Douglas.
Et très bonne remise. Joao Théophile et cette passe en direction de Bozius Menelik. Attention, Luciani Picatus au milieu des deux joueurs de la solidarité scolaire. C'est compliqué. Petit phare. Passe interceptée. Attention à ces ballons. Luciani Picatus pour centrer le centre de Picatus. Josiran Douglas. L'USBM qui n'a pas du tout bien négocié ses ballons dans la boîte. Ils n'ont pas du tout bien négocié ces ballons. Depuis le début de la deuxième période, ils ont des très bons ballons dans la surface de réparation de la solidarité scolaire qui fait que défendre dans cette deuxième période. La passe de Gaboton Daniel sur Bolivar Dimitri. Dimitri Bolivar qui fait la différence. Picactus, le centre de Picactus, intervention de la tête. Le ballon qui est allé en touche. La touche là pour l'USBM qui met la pression pour aller chercher à ce but. Contre la solidarité scolaire. Bonsoir Gilbert Daubin. Coach Bébert. La touche vite effectuée par Daniel Gaboton. Daniel qui trouve son compère en défense. Nicolas Samé et l'USBM qui va gagner la possession avec Louri Demeya. Joueur au Théophile. Théophile à droite. C'est très bien fait. Attention, il faut bien centrer Simplon. Les centres de Simplon, c'est pas tout à fait ça parce que. Voilà. Il fait de bons appels, mais les centres, c'est pas toujours ça. Attention à ce centre. Cette fois-ci, c'était beau. C'est Bolivar qui a manqué ce coup de tête. Ce centre était bon. Cette équipe de la solidarité scolaire qui est un peu dans les durs parce que y a tellement de décalages qui ont été trouvés sur les côtés. Et que ce soit avec Daniel Gaboton ou Simplon Samuel. L'USBM qui n'a pas beaucoup tenté dans ce match alors qu'ils avaient les situations. Il y a Ronatlan, attention parce que ça peut aller vite avec Raphaël Mival. Ça peut aller vite avec Raphaël Mival. Intervention de Cetini France. Il y a faute. Intervention de Cetini France. L'USBM qui joue un peu avec le match parce que. On va le voir. Vous voyez d'où il part pour faire la différence. Parce qu'il va très vite. Raphaël Mival et en cette défense. Il était contre à sortir. En ce ballon, la déviation avec Cancel. Cancel sur Yaron Atlan. Et c'est bien fait. Yaron qui va provoquer. Yaron sur Cancel Christopher. Yaron Atlan. Un très bon tacle. En ce ballon récupéré par l'USBM. Yaron Atlan qui est au sol. Et ça va repartir avec Dimitri Bolivar. Dimitri Bolivar. Bolivar qui est en face de lui, Jérôme Fabien. Bolivar qui est contraint de jouer en retrait sur à Simplon, le centre de Simplon. Attention, ce ballon qui a du mal à dégager. Josiran Douglas a chassé à part le défenseur de ce. Il y avait faute. Il y avait faute suivant l'indication de l'arbitre central du match. Voilà le changement à venir. La rentrée de Rudy Vuto à la place de qui? C'est ce qu'on va voir. Rudy Vuto de retour sur le terrain à la place de Luciani Picatus qui aura fait un beau match. Le jeune ailier de l'USBM, Luciani Picatus.
Christiane éducatrice. Ouais, tu auras fait un beau match. Ouais, je pense. Je trouve qu'il a beaucoup progressé sur ses derniers matchs. Luciani Picatus, un peu plus de sérieux. Rudy Vuto qui retrouve le terrain après sa blessure contre Cambrifort. Peut-être parce que l'USBM n'a pas assez frappé. Steven La Rochelle. Ah, c'est compliqué pour la SS. La SS n'a pas de banc. C'est pas évident. C'est pas évident du tout pour la SS. Mais franchement, dans cette situation-là, c'est. C'est compliqué, hein. Ils ont Nuro Fritzo. Et il y a deux gardiens sur le banc. Afarel Aymeric, leader Loïc. Donc vous voyez comment c'est difficile pour la solidarité scolaire. La tête de Yaron Atlan. Deuxième ballon. Il n'y a pas faux. Attention à ce ballon. Un mauvais passe. Et la solidarité scolaire va repartir avec ce ballon. Et c'est bien fait. C'est très bien fait avec Luce Tricilio. Joël Mormon. Qui repasse en retrait avec Jérôme Fabien. Fabien. Loïc Nuro. Nuro qui met le ballon en profondeur. Intervention de la tête de Yoran Aboisine. Deuxième ballon pour les bleus de l'USVM. Nicolas Samy. Rudy Vuto. Attention, c'est bien fait avec Gaboton Daniel qui trouve la solution avec Bozis Meneli. C'est bien fait, attention, possibilité de buter derrière ce centre, attention. Oh, ce ballon de la surface de réparation, il y a faute. Suivant l'indication de l'arbitre central, c'est des formations de la solidarité scolaire qui a déjà le ballon. Ah, c'est compliqué, bon, c'est des formations de la solidarité scolaire qui tient, mais... Pour combien de temps? Joël Maman qui dégage à l'USBM pour ce deuxième ballon. Laurie Demeya, Rudy Vuto, la déviation. Attention à cette frappe de Rudy Vuto. Le danger n'est pas présent. Attention, je serai de doublement. C'était Gaboton qui a encore le ballon. Gaboton qui est tombé tout seul. Allez, ce ballon récupéré très vite par l'USBM. Attention. Et cette équipe prend de la solidarité scolaire en attaque avec Cancel sur Yaron Atlan. J'aurai le moment pour changer le ballon de côté. Ah, c'est mal exécuté par Joël Maman. L'USBM va repartir avec ce ballon. Joueur au théophile. Laurie Demeya. Attention, le Serran Douglas. Il devait peut-être jouer sur Dimitri Bolivar. Hein, qui a ce ballon, Bolivar. En face de lui, il y a Joël Maman, Bolivar qui essaie de passer. Il a encore le ballon. Bolivar.
Hey, il va bénéficier d'un corner. À la 73e minute en jeu. Loïc Nuro, c'est le préparateur physique de la sélection. Attention à ce corner à beauté, personne. Sinon, c'est Loïc Nuro qui va dégager ce ballon avec cette plan chassé par Cancel Christopher. Le dégagement de la défense. C'est attaque contre défense. Mais pour le moment, l'USBM n'arrive pas à faire le nécessaire. Et ce ballon avec Rudy Vuto. Rudy Vuto qui se rabat. Attention, Rudy Vuto à ce joueur Théophile. Théophile. Attention, Bolivar qui tente de passer. Mais très bon travail. Le moment, Jorel, l'avantage a été laissé. Cancel, Christopher. Ah, et la passe était trop faible. Attention à ce ballon avec Bozis Menelik. La frappe de Bozis Menelik a détourné. Cette frappe de Bozis Menelik a détourné par les gardiens, mesdames et messieurs. Et là, c'est, on va dire, le gardien de cette formation de la solidarité scolaire qui tient pour permettre. Attention, attention à ce ballon, ce centre de Bozis pour personne. À ce ballon dégagé en catastrophe. Deuxième ballon, Yaron Atlan assure Cancel Christopher, Raphaël Mival qui est passé. Attention, Raphaël Mival. Il y a un contre 4. Raphaël Mival qui essaie de passer. Voilà le changement à venir. L'entrée de Eugène Alexandre. Donc Loïc Nuro, Loïc Nuro était à l'USB, en fait il était à l'ASS avant, il est formé à l'ASS après l'USBM. Loïc a fait de très belles saisons à l'USBM, donc Loïc a fait finale de la Coupe Vive contre Golden Lion aux Abîmes. Loïc a fait également la troisième au championnat, finale de la Coupe de France. Zone Guadeloupe avec l'USBM. Donc là, si vous voulez, la belle époque de l'USBM, c'était Loïc Nuro qui était en défense, accompagné de Rosan Lemoyne. Donc Nuro, peut-être que, voilà, je sais pas Joël, mais Nuro a été toujours un très bon défenseur, très solide. Voilà. Dimanche à 16h sur Total Sport Caraïbes, l'AS Gosier contre cette formation du Fort de Petit Canal. Et puis demain à 20h sur Total Sport Caraïbes. Le Sirocco des Abîmes, qui fait une très belle saison, reçoit l'Amical Club de Marie-Galante en difficulté au classement. Voilà la rentrée de Nuro Frizzo à la place de La Rochelle. Stephen, il me semble. Physiquement, c'est pas facile. Ok, d'accord. D'accord, Rémo. Bonsoir, Roland Jovial. Non, Nuro, je connais Nuro très bien. On a joué ensemble à l'USBM, donc. Non, je vous ai pas oublié, Roland. J'ai parlé à Mike, donc voilà, j'ai parlé à Mike. Je pense que Mike va faire le nécessaire. Donc, ouais, je disais, Nuro, on a joué ensemble à l'USBM. Donc, cette belle saison-là, on a été ensemble.
Non, Nuno, c'est un très bon joueur. Il a été toujours un très bon joueur, très solide. Voilà. Ah, la sortie de La Rochelle Steven, remplacé par Fritzo, Nuno. La 78e minute de jeu bouclé. Un touche chapeau à l'USBM. Le Serra de Douglas. À Douglas, en retrait. Joueur au Théophile. Laurie Demia. Assure Daniel Gaboton. Rudy Vuto. Attention, Rudy Vuto en retrait. Alexandre Eugène. La passe de Jeanne Alexandre. Elle était mauvaise. J'aurai le moment qui essaie de passer et c'est bien fait. Moment assure Cancel. Attention à ces ballons. Eugène Alexandre à la récupération, mais derrière il y avait faute sur Eugène Alexandre. La coup franc vénère pour cette formation de l'USBM. La 79e minute en. Oui, Nuno était au pôle espoir. Et Nuno même avait fait la sélection des jeunes de la Guadeloupe. Hein. Ah oui, j'avais oublié. Nuno avait fait la sélection des jeunes de la Guadeloupe. Je ne sais pas si c'est U15 ou. Mais il a fait la sélection de jeunes avec la Guadeloupe. Et le coup franc à venir avec Samuel Simplon qui met le ballon dans la boîte. Attention, oh, personne. Ah, si la solidarité scolaire fait match nul ce soir, c'est vraiment un très bon résultat. U15-17. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est un très bon résultat parce que, voilà, deuxième période, on a vu un tir de l'ASS avec Mirval. Après, l'USBM a été pratiquement dans la zone de cette formation hein, de la solidarité scolaire. Attention à ces ballons, à dévier le dégagement de Saint-Denis France. Jérôme Fabien, Loïc Canuro ne prend pas de risque hein, le dégagement. La sortie de touche pour l'USBM. La touche vite effectuée. Sort ses ballons et Jeune Alexandre, la déviation, la tête de Mohamed Joël. À sortie de touche pour l'USBM qui doit mettre un peu plus de rythme. Et Jeune Alexandre, la passe de Gênes, c'est très bien fait sur Bolivar. Et malheureusement, Bolivar n'a pas trop suivi. Demain 20h sur Total Sport Caraïbes, le Sirocco des Abîmes contre cette équipe port de l'Amical Club des Marie Galante. Est-ce que l'Amical va perdre? Attention, Fritzo qui essaie de passer. Et Nuno Fritzo qui a encore ce ballon. Un sorti de touche pour la solidarité scolaire. Avec Mormon Jorel qui va effectuer cette touche. Voilà. Ça fait un moment. Attention, Yaronatla, non.
Il a déjà fait la différence pour toi. Attention, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Intervention en touche de Loïc Nuro. Et ce ballon, vite joué. Nouvelle touche. La nouvelle touche pour l'USBM. Attention à ces ballons dans les deux de la défense. Mais très bon tacle. Très bon tacle en corner. Ça date, Joël. Non. Joël. Ah, Joël. deux fois toi. Hein. Et c'est qu'on est revenu pour cette formation de l'USBM. Ce ballon dégagé. Deuxième balle avec Nicolas Samé. Samé qui trouve une solution sur le côté droit. Woody Bouto va récupérer ce ballon pour un centre. Ce ballon dégagé en catastrophe. Ce ballon dégagé en catastrophe. Et derrière, Raphaël Vival descendu. Un séché. Il va y avoir un avertissement pour Simplon. Raphaël Mival qui a été séché par le joueur de la formation de l'USBM. Il s'agit de Simplon. La vie centrale qui demande à Loïc Nuro de placer le ballon exactement où la faute a été commise. 85e minute en jeu bientôt dans ce match. L'USBM qui domine pour le moment. Est-ce que c'est Woody Bouto qui va faire la différence? Woody Bouto qui est passé. Woody Bouto! Ce ballon dégagé! Ce ballon dégagé, mesdames et messieurs, par Loïc Nuro. On va voir ce travail de Woody Bouto qui est passé. Ouais, malgré il n'est pas aussi rapide qu'il y a 3-4 ans de cela. Ah, c'est Jérôme Fabien. Jérôme Fabien qui a pu dégager ce ballon. Catastrophe. Le corner a venu pour cette formation. Attention, ce ballon dégagé par la défense de la solidarité scolaire. Il y a Ronat Lamb. Et ce ballon est donc pour la solidarité scolaire. C'est Raphaël Vival. Raphaël Vival qui trouve Fritzo Loïc. Miro Fritzo, non Fritzo. Oh, il fallait peut-être frapper au but. Il y a Ronat Lamb. Est dévancé. Et derrière, l'USBM va repartir avec José Randouglas. Il y a du monde sur le côté. Ah là, il est tête baissée. Ah là, non, José Van. Non, José Van. Ah non. C'est pas possible. Avertissement pour Joël Maman. Ah, Woody Bouto, il est seul de l'autre côté. Non, ça manque. Ah, il faut qu'il lève un peu sa tête parce que Bouto était seul sur le côté. Et 87e minute en jeu, quasi bouclé dans ce match. Zéro but partout entre les deux formations. C'est une touche vite effectuée sur Dimitri Bolivar qui appuie sur Alexandre Eugène, le centre d'Alexandre Eugène. Intervention, deuxième ballon avec Joao Théophile. Joao Théophile est trop court. Et derrière Raphaël Mival, contre-attaque. Fritz Oloïc. Là, il doit essayer de faire la différence. Voilà, c'est bien fait. Temporisé, il est passé. Il est passé, mais très bon retour de la défense. L'USBM à l'attaque avec Alexandre Eugène. Le ballon est donc changé de l'autre côté sur Woody Bouto qui peut faire la différence. Woody Bouto qui est passé. La passe de Woody Bouto sur Dimitri Bolivar. Le centre de Dimitri Bolivar, personne au second poteau. Et c'est
Gaboton, mais très bonne lecture du petit phare. L'USBM reprend la possession. Eugène Alexandre, la passe sans dégénération. Dimitri Bolivar, Bolivar qui a passé ballon. Jérôme Fabio Macage, attention Bolivar qui est passé, attention c'est centre de Bolivar. Joao Théophile, la passe de Théophile, Bolivar, Théophile. Rudy Vuto, attention. Rudy Vuto, assure. Laurie Demeya qui est passé. Laurie Demeya, attention à ses ballons, peut-être les meilleurs. Voilà les buts, mesdames et messieurs. Daniel Gaboton pour le score. L'ouverture du score logique, 89e minute dans les jeux. L'USBM, à force d'insister, a fini par dérouiller. Les verrous de cette formation de la solidarité scolaire. Et c'est l'USBM qui prend le contrôle des opérations. Minute 89e. Daniel Gaboton, permet à cette équipe de l'USBM de prendre le contrôle des opérations. 1-0 pour les Bleus. Logique. À force d'insister, et c'était compliqué pour cette équipe de la solidarité scolaire de tenir le rythme imposé par l'USBM. Ils ont usé, mais vraiment usé la défense de la solidarité scolaire. Il y a un joueur qui est resté au sol. Le Ridemea qui va se relever pour continuer la partie. À force d'insister, l'USBM finit par déverrouiller la défense de cette formation de la solidarité scolaire qui a pourtant tenu 89 minutes. Oh, cette fois-ci, Marvin Calvalos était battu. L'USBM va réaliser une très belle opération. Attention à ces ballons en profondeur. Cinq minutes de temps additionnel minimum. Saint-Denis France qui a capté ce ballon. La solidarité scolaire en difficulté, mesdames et messieurs. Et Thierry Antonin avait dit, l'USBM n'était pas à sa place. Et qui d'autre pour permettre à cette équipe de l'USBM de prendre l'avantage. Attention à ce centre. Intervention de Jérôme Fabien. Deuxième ballon pour la solidarité scolaire avec un petit fort. Yaron Atlan, il y a faute. Ce Yaron Atlan, faute intelligente de Joseram Douglas. Alors qu'il y a un joueur de l'USBM qui est resté au sol, c'est joueur au Théophile. On va revoir ses buts. Ouais, ils ont usé, vraiment usé, la défense de la solidarité scolaire avant de décanter la situation. Et cette passe en retrait, tout a été bien fait sur cette action. Et à la conclusion, Daniel Gaboton, cette frappe du droit pour punir cette équipe de la solidarité scolaire. Et pourtant, Jordinaël Eglela avait dit qu'il était dans un poste un peu douteux. Eh bien voilà, il n'y a plus de doute, c'est Daniel Gaboton qui permet à cette équipe de l'USBM de prendre les commandes dans ce match important pour la course au maintien. Demain, l'Amical Club de Marie-Galante, en grande difficulté, va traîner ses bottes sur le terrain du Sirocco des Abîmes, qui réalise une très belle saison. Yeah,
À suivre sur Total Sport Caraïbes. Dimanche. Au Moule. Les gosiers forts de Petit Canal. Attention à ces derniers ballons. Dégagé par la défense. Yaron Atlan. Pour trouver un partenaire. Joël Maman. Il va remettre le ballon dans la boîte. Intervention. Attention à ces ballons. Attention à ces ballons dégagés par Daniel Gaboton. Josserane Douglas. Il y a faute de Josserane, mais faute inutile. Aïe, il n'est pas assez patient. Ah, il doit jouer un peu plus avec sa tête, Josserane Douglas. Voilà le changement à venir. La sortie du numéro 9, Josserane Douglas. À Fautra, Ouidji, un défenseur. Pour permettre à cette équipe de l'USBM de garder à ses buts d'avance, ce but important dans la course au maintien. Mais qui d'autre pour permettre à cette équipe de l'USBM de sortir dans ce pétrin? Thierry Antonin, l'homme de la situation. Ouais, je pense que les dirigeants de l'USBM ils vont prendre un petit peu la leçon parce qu'à chaque fois, c'est Antonin pour dépanner, pour sortir. Attention à ces ballons! Oh, quel but de Yaron Atlan, mesdames et messieurs! Oh là là! Quel but de Yaron Atlan qui finit cette délivrance! On croyait! Oui, l'USBM qui a couru pendant un moment. Mais quel but c'est dingue. C'est une France punie. Battu. Voilà. Quel but, mesdames et messieurs. Du total régal. Yaron Atlan qui nous régale, mesdames et messieurs, sur ce coup franc. Pour punir c'est une France. 80. 10 plus 4. La solidarité scolaire qui égalise. Oh là là, du total régal. Ah, voilà l'importance. Là, Josserane Douglas qui avait le ballon pour mettre en touche, il a commis la faute. Et derrière, c'est des formations de l'USBM. Elle doit tout refaire. Il y a faute. Cette équipe de l'USBM doit tout faire. Au classement. Ah là 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 là. Mais quel but de Yaron Atlan, mesdames et messieurs. C'est du total régal. Ah ouais, c'est compliqué pour l'USBM. Qui aura a pourtant fait les plus durs. En marquant ses buts. À pratiquement 89e minute. Mais quel but de Yaron Atlan. Du total régal. Tout simplement. Intervention de la tête. C'est là je dis que Josserane Douglas il n'a pas joué à. Il n'a pas joué à l'intelligence parce que voilà. Vous menez 1-0 pour commettre une faute là, mais désolé les gars. La faute de Josserane Douglas, c'est cette faute-là qui a tout déclenché. Il pouvait mettre le ballon en touche. Après, il faut être intelligent. Mais que dire de cette finition clinique? Mais que dire? Ah non. Ah, il joue. Attention, c'est ballon, c'est pas fini, c'est pas fini. Le Kiro qui dégage le ballon très 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 loin. Voilà qui m'intègre, mesdames et messieurs.
Voilà qui m'intime à ce match sur ce score. Deux buts partout. Voilà Yaron Atlan, le deuxième buteur de ce match. Voilà, le voici sur notre petit écran. Yaron Atlan qui a marqué à ce... Ah oui, il aura marqué un but fantastique, mais vraiment fantastique. Ce but de Yaron Atlan. Ah, je vais vous permettre de revoir le but de cette formation de l'USBM. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Malheureusement, en tout cas, et merci et d'avoir été les nôtres, mesdames et messieurs. Merci. Voilà, le but de l'USBM, c'est... C'est ici, il me semble. En tout cas, c'est ça aurait été un bon match, surtout en deuxième période, avec pas mal d'animation. Donc voilà. Merci à chacun de vous d'avoir été les nôtres. Je vous laisse. Sur ce but de l'USBM, on va se retrouver demain. N'oubliez pas, demain, on a rendez-vous aux Abîmes pour le match Sirocco et la formation de l'Amical Club de Marie et Galante. Mesdames et messieurs, sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée sur Total Sport Caraïbes. Donc, l'information continue sur Total Sport Caraïbes. À très vite, mesdames et messieurs.